Je vais intervenir en français. Je vais reprendre ce que j'ai avancé en morée. Je vais reprendre ça en français. Je disais donc que le village, comme tous les autres villages, avait besoin de protecteurs, de guerriers pour que les habitants aient une vie calme, une vie limpide. Pour cela, il faisait référence aux Yatenga-Naba, qui leur donnait un de ses enfants ou un de ses proches pour la surveillance, pour la garde du village. Comme tous les autres villages, donc, You n'a pas fait exception. Comme les autres villages, il a eu aussi à demander la protection et le Yatenga Naba du moment a envoyé quelqu'un qui s'est appelé Naba Yongo. Et c'est à partir de lui que se sont succédés les chefs du village de You. Ça, c'est avant, c'est au temps colonialiste. Comme les choses se passaient tant bien que mal, un des successeurs de Naba Yongo, Naba Kondré, a été détrôné par le colon. Naba Kondré a été remplacé par le chef de Mako, qui était un des enfants, un des fils du Yatenga Naba Tigré. Il a pris la succession en 1928. Les choses s'étaient succédées. Il est arrivé qu'il devait quitter You pour Nam-Sigya, toujours sous le commandement, sous la principauté de son père, le Naba Tigré. Et en 28 qu'il était ici, et jusqu'en 1934, en 34, il a été donc nommé chef de Nam-Sigya. En ce moment, quand il quittait pour Nam-Sigya, son petit frère, son cadet, était à Pella, Pella-Tibi-Tigya. Il se trouvait que dans le même canton de Nam-Sigya, les trois, leurs grandes sœurs et les deux frères se trouvaient dans le même canton. Le Yatenga Naba, leur père, a trouvé que c'était quand même, il fallait les séparer un peu. Donc, il a déplacé le chef de Pella-Kibitigia pour succéder au chef qui était à You, puisque lui, il était parti à Nam-Sigya. Et ça, le chef de Pella-Kibitigia est venu ici en février 34. Et il est resté, il a quitté ce bas monde le 28 décembre 90. Et moi, je l'ai succédé le samedi 30 juin 90. Et je suis venu ici, à You, le lendemain, donc le dimanche 1er juillet 90.
Et jusqu'à présent, je m'entends. J'essaie de m'entendre avec la population. La population essaie de me comprendre et nous avons une collaboration franche et totale.